que demi accosté derrière. Demi accosté, oui. Je m'appelle Gallardo Fabrice, je suis maître d'équipage. Je m'occupe de tout ce qui est d'amarrage, je croche les bateaux, l'entretien du bateau à bord. J'ai travaillé 10 ans à la raffinerie des Sceaux. Je m'occupais des chargements, des sens des camions. J'ai conduit aussi les trains à DPF. C'était autre chose que mon taf d'aujourd'hui. Et j'en avais un peu marre d'être à l'usine. C'est vrai que c'était pas pareil, c'est pas la même chose. En plus, moi, je suis né au bord de l'eau, moi, je suis de la mer. Hein. Et j'ai eu l'occasion de rentrer au remorquage. Donc, il a fallu que je passe un petit peu les diplômes et je suis retourné un petit peu à l'école. Bon, à l'école des grands, hein, bien sûr. Mais bon, je l'ai fait, voilà. Du coup, je suis arrivé ici, trop bien. Voilà, on est en mer, c'est ça qui me plaît. Hein. On a un bon rythme de travail, hein, 24-48, c'est vraiment sympa. Donc, en fait, c'est notre système de travail. On a des heures de nuit. Donc, en fonction de comment on a travaillé la nuit d'avant, on va plus travailler ou le matin, ou l'après-midi, ou la nuit. En fait, c'est selon les prévisions qu'ils nous donnent, le taf qu'il y a. Donc, on a une place bien définie pour partir. Le prévision vers 22h, après, c'est dangereux. Un petit peu, hein, bon, comme tous les métiers. Hein. C'est quand il y a le gros vent de mer, qu'on croche devant. C'est sûr que bon, il y a toujours un risque, mais bon, il n'y a jamais eu trop d'accidents. Hein. Pour ceux qui sont à l'écoute, sortie fin 2, 23h, avec deux remorqueurs, et l'entrée à suivre 23h47. Ce qui me plaît, ben, c'est cette sensation de liberté comme ça, là. Voilà, on va en mer. Hein. C'est ça qui est super, hein, ouais. Minimum seulement. Moi, ça fait une dizaine d'années là que je suis là, même un peu plus, je crois. Ouais. Donc voilà. Après, bon, ben là, ils vont certainement partir à la retraite. Je sais pas les petits jeunes que je vais avoir là. C'est ben voilà, ben on recréera une amitié. Hein, comment faire? Ouais. Après, ça se passe bien. En général, ça se passe super bien. Ouais. Je fais à manger aussi. Ça, c'est la spécialité de Fabrice. Voilà. Voilà, ça fait 10 ans qu'on le teste. Et il y en a certains qui pourraient ouvrir un restaurant au remorquage. Ouais, il y en a, c'est vrai qui taquinent. Puis c'est important de bien manger. Non, c'est très important. Je vois en fonction de ce qu'il y a, je fais. Ça vient comme ça vient. Alors aujourd'hui, ben, poulet au curry. Des fois, on se fait les barbecues aussi, c'est bien sympa. Des fois, même, on se retrouve même des fois les équipages d'à côté et tout à faire des grands quand on est tranquille, quoi. Hein. Voilà, on se fait des bonnes bouffes. C'est vrai qu'en général, au remorquage, on mange bien. Tout va bien, hein, la vie est belle. Hein. Super.